Bonjour, Alexis Valette, œnologue chez Ronéa, basé à Baume de Venise. Aujourd'hui, on va parler préjugés et on va essayer de les combattre ensemble. Dans une cave coopérative, tous les raisins sont mélangés. Faux et archi-faux. Même si j'aimerais bien, ça raccourcirait vraiment mes journées pendant les vendanges. Le service vignoble fait un énorme travail pendant les vendanges, en nous séparant bien les qualités. Nous, on continue le travail. C'est-à-dire que les raisins, quand ils arrivent en cave, on les sépare par appellation, par couleur et par qualité. Et ça, c'est primordial si on veut obtenir un vin sympa à la fin. L'offre des coopératives est trop large. C'est vrai, mais c'est aussi faux. Parce que c'est un vrai point positif. Quand un client arrive, il a du choix. On est présent sur tout le Vaucluse. Donc automatiquement, on va avoir des vins de France, des Côtes-du-Rhône, des vins de pays, des crus. Donc ça, effectivement, c'est large. Mais un primo-accédant va arriver chez nous. On va être en mesure de lui proposer un vin simple, sans prétention. Un connaisseur, on va être en mesure de lui présenter un cru, bien élevé, un élevage en bois ou pas. Donc ça, c'est un vrai plus chez nous. Les vins de cave coopérative ne sont pas qualitatifs. C'est faux. La qualité, elle commence au vignoble. On est très exigeant avec nos coopérateurs. On demande à ce qu'ils nous ramènent des raisins vraiment top du top. Et nous, en cave, notre job, c'est aussi de faire continuer faire perdurer cette qualité, notamment par l'hygiène. Mon équipe en cave passe un temps considérable, 70-80% de leur temps, à nettoyer pour que la cave soit impeccable, propre, aucune déviance organoleptique, pour vous offrir à tous des vins les plus sympas possibles.